Hello les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour créer ensemble le look de Maléfique, donc le look que Angelina Jolie porte dans le film. Et on commence tout de suite par le teint, donc j'applique mon fond de teint dans lequel j'ai mélangé un petit peu de fard blanc pour l'éclaircir. Une fois que j'ai appliqué tout ça, je viens poudrer le tout. Et ensuite je m'attaque à mes sourcils, donc je vais les faire assez marqués et assez intenses. Et pour ça j'utilise la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. J'enchaîne ensuite avec le contouring et la Infinity Palette de chez Linda Alberg. Donc je vais prendre le fard Saigar qui va me servir à structurer mon visage et notamment mes joues. Donc une fois que j'ai tracé tous les contours avec ma poudre, je vais venir prendre un correcteur et je vais venir nettoyer la zone pour vraiment lui donner un côté hyper clair et hyper bien défini. Je fais ensuite un petit peu de contouring au niveau de mon nez et de mon menton et j'enchaîne directement avec ma base que je viens appliquer sur toute ma paupière. Je reprends ma palette et je mélange ces deux fards que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Et je reprends mon fard Saigar que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière et légèrement en coin externe. Pour intensifier un petit peu le look, je viens prendre le noir de la palette, je le prends très très légèrement et je vais venir accentuer le coin externe et très légèrement le creux. Et ensuite je vais venir m'attaquer au ras de cils inférieur, je vais mélanger ces deux fards et je vais rajouter du noir ensuite pour vraiment intensifier le make-up. En touche lumière, j'applique le fard Milky Way sous mon sourcil. Et j'enchaîne directement avec un crayon noir que je vais venir appliquer en muqueuse mais également en ras de cils inférieur et supérieur. Et je vais venir ensuite estomper avec un petit pinceau biseauté. Je prends ensuite le fard Virgio de la palette qui est un très joli doré que je vais venir appliquer au centre de ma paupière. Et ensuite pour apporter encore plus d'éclat à mon maquillage, j'applique le Starlit Liquid en coin interne et au centre de ma paupière également. J'enchaîne directement avec mon mascara et une paire de fossiles de chez Juliesus Cosmetics, donc ceux-là ce sont les Aurore. Place maintenant à l'highlighter et avant d'utiliser un highlighter irisé, je vais venir prendre un blanc mat que je vais venir appliquer sur toutes mes zones de lumière. Ça va me permettre de beaucoup éclaircir mon visage. Et ensuite j'enchaîne avec mon highlighter de chez High Earth Revolution qui lui va me permettre de mettre en valeur encore plus tous les reliefs et tous les volumes de mon visage. On passe maintenant aux lèvres et j'utilise un Dulce Matte de chez Juliesus Cosmetics en teinte Boy Bye. Et pour apporter un petit peu de contraste, je vais venir appliquer le Juliesus au centre de mes lèvres. Et voilà, le look est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain look, les amis.